Ça tourne. Bonjour Claire, je me permets de te présenter. Donc Claire Béninger, tu es associée chez Copt Attitude, responsable de compte chez Silob. Je te remercie de nous accueillir et de nous donner un peu de ton temps pour partager avec les étudiants de Tan Long, donc l'université qui est basée à Hanoï, et d'autres, ton expérience de start-upeuse. Je voudrais en fait que tu nous parles un peu de ton activité chez Copt Attitude, tes succès, tes difficultés et en quoi ces difficultés t'ont aidé finalement dans les activités que tu mènes actuellement. Donc bah voilà, je te laisse la parole, tu as 2 à 3 minutes pour nous expliquer tout ça et je t'en remercie vivement. Déjà, avant tout, merci de ton intérêt. Donc, pour présenter rapidement Copt Attitude, en fait, Copt Attitude est un éditeur dont l'enjeu, c'était d'apporter des solutions pour développer en fait la collaboration entre les entreprises. Donc, l'idée, c'était de proposer donc un C2, c'est de proposer un outil donc accessible sur le web pour faciliter ces échanges-là et ça, et ce, de manière sécurisée. D'accord. Donc, c'est une aventure que j'ai menée pendant 5 ans. D'accord. Ce que j'en retiens en tant qu'expérience d'entrepreneur, c'est déjà avant tout une aventure personnelle. L'entrepreneuriat, c'est aussi savoir se montrer en fait ouvert à l'inconnu. D'accord. On veut toujours se remettre complètement en question, il faut repousser ses limites, écouter, observer son environnement. Accueillir les changements, transformer en fait ces changements-là dans un but d'en créer en fait une valeur. Une fois qu'on quelque part on a mis en place en fait ce mécanisme personnel derrière, c'est savoir s'entourer. Il faut pas oublier qu'en fait un entrepreneur il fait rien seul et savoir s'entourer. C'est surtout faire abstraction complètement de ses certitudes, faire preuve, je pense, de beaucoup d'humilité, de curiosité pour arriver justement à transformer une aventure personnelle en une aventure commune. Donc un gros investissement personnel, un gros travail sur soi, une volonté de réussir, de s'entourer, mais vraiment une implication personnelle de tous les jours, quoi. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque part un mécanisme qui se met en place à l'intérieur et il faut être ouvert à ce changement-là. Ça remet en cause complètement, on va dire, ses fondements. Si on ne remet pas ça en cause, derrière, accueillir le changement, je pense que ça peut être compliqué. D'accord. Et quels ont été tes principaux succès, ce que tu as aimé, comment tu as vécu en fait toute cette implication personnelle? Alors, c'est à la fois positif et négatif dans la mesure où il faut transformer le négatif en positif. On repousse ses limites, donc on se met en danger. On apprend beaucoup sur soi-même, sur ses forces. On identifie ses faiblesses. Et ces faiblesses-là, une fois qu'on les a identifiées, il faut qu'on aille chercher quelque part la ressource qui va permettre cette faiblesse de la combler. Donc, c'est vraiment quelque part mettre ses tripes sur la table et à un moment, se remettre en cause et puis reprendre sa place en se disant que l'aventure, on ne l'amènera pas seule. Donc il faut justement qu'à un moment, laisser la place aux autres pour combler finalement ses faiblesses. D'accord. Ce que aujourd'hui, je retiens de cette aventure, qui est quand même une course d'endurance, l'entrepreneur, ce qu'il doit arriver à faire, c'est justement arriver à chercher tout le temps une nouvelle énergie. Et cette énergie-là, il doit embarquer ses équipes. Donc, il doit arriver à le transmettre à ses équipes. C'est toujours, c'est l'équipe. Lui, il doit donner une directive, mais une fois qu'il a donné sa directive, il doit se mettre en retrait pour que son équipe se mette en avant. D'accord. Donc, c'est apprendre l'humilité. D'accord. C'est justement arriver à s'effacer par moment pour que cette équipe-là, justement, puisse arriver à prendre sa place et son D'accord. envol. D'accord. Et c'est quelque chose qui est facile, ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que j'imagine que c'est stressant? Comment on arrive à retrouver des phases de respiration? C'est là, je crois, toute la difficulté. On parle d'une endurance, c'est un marathon. Donc il y a des moments où c'est
très compliqué de retrouver cette énergie. Donc cette énergie, il faut qu'il y ait un nouveau projet, un nouveau souffle. Il faut justement tout le temps trouver, se renouveler, se remettre en question. Quand on a justement des périodes basses, il faut aller chercher de l'énergie ailleurs, savoir s'entourer, partager avec les autres, ne pas s'isoler. Et c'est ça qui est compliqué, c'est finalement de développer tout l'écosystème qui va permettre de sortir l'entrepreneur finalement de sa solitude et puis l'empêcher de se refermer, parce que c'est simple de se refermer, on repart toujours dans nos zones de confort. Donc c'est qu'à un moment, il faut trouver les bonnes personnes qui vont quelque part venir nous secouer, nous redonner un nouveau souffle, et puis ça va nous faire repartir, et puis hop, on va repartir sur un nouveau défi. C'est quelque part, on est sur des montagnes russes. D'accord. Où il y a des périodes très basses, des périodes très hautes, et puis il faut arriver, nous, à garder en face quelque chose de constant. D'accord, écoute, c'est très très intéressant. Juste une question, j'imagine que tu parles du succès, de toute l'implication personnelle qu'il y a. En quoi, et ça sera la dernière question de ce petit reportage, en quoi tes difficultés t'ont-elles aidé maintenant dans ta vie actuelle, que ça soit professionnel ou personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y a une grande leçon, quand on s'est tombé, on apprend à se relever. Donc l'inconnu qui fait tellement peur initialement, finalement on se rend compte que de l'inconnu peut amener plein de solutions, et savoir se relever, je pense que c'est aujourd'hui ce qui me permet de continuer à avancer. C'est que j'ai plus peur de ce vide, de tomber. Maintenant, je sais comment transformer ça et repartir sur autre chose. D'accord, donc ça t'a apporté une certaine assurance, et au moins la peur du vide est complètement évacuée. Maintenant, tu envisages... Alors évacuée, non, parce que je pense que la peur, c'est ce qui permet justement d'avancer. On l'a toujours, mais cette peur, il faut la transformer en énergie, et que cette énergie-là nous permette justement de relever de nouveaux défis. Eh bien écoute Claire, je te remercie beaucoup, c'est toujours très active, et je suis sûr que ton expérience servira de leçon pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en France ou au Vietnam. Encore une merci Claire. Eh bien merci à toi.